Ma foi au quotidien, pour moi, c'est quelque chose d'intégré, des vases communicants, à savoir que ma foi au quotidien, elle fait partie de ma vie de famille, elle fait partie de ma vie avec mes amis, chrétiens ou pas, elle fait partie de ma vie professionnelle. Donc ça c'est le premier point. Sur un autre aspect qui est de dire, mais dans le fond, comment ça se passe avec ta famille, je dirais que le grand sujet de joie que j'ai, c'est que mes enfants soient impliqués dans la foi, et non seulement impliqués, ils se sont baptisés en âge adulte, et vraiment, ils vivent leur foi, et ils ont rencontré le Christ. Et j'ajouterais aussi qu'avec mon épouse, c'est vraiment un sujet extrêmement important pour moi de pouvoir échanger avec elle, de pouvoir prier avec elle, de pouvoir lire la parole avec elle, qu'on comprenne des fois les choses différemment, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on ait d'avoir cet amour, d'avoir cette bienveillance, même si on a le désaccord. Et je crois que c'est un des messages essentiels de la parole. Au niveau du travail, pour moi, je dirais, je vois mon travail actuel un petit peu comme un travail diaconal au service de. Je suis pas là pour m'amuser à faire toutes les dernières politiques ressources humaines, mais vraiment d'essayer d'être au service d'eux. Et un des moyens qui m'est cher, c'est quand je ne suis pas sûr d'une chose, c'est d'essayer de me décentrer, de dire, mais dans le fond, que penserait le Christ de cette décision? Et pour moi, c'est une boussole qui me permet de chercher, de creuser si je me dis, tiens, non, mais il ne pourrait pas approuver cette position-là. Voilà en quelques mots ma foi au quotidien.